Béranger Bruns, profession charcutier, traiteur italien dans un marché parisien. Un sale caractère, ça c'est certain, une grande gueule. Mais de là à étrangler sa jeune maîtresse Christelle et son petit garçon Lucas et son petit chien et à les découper en petits morceaux méthodiquement comme un boucher découpe sa bête, on a du mal à le croire. Pas lui. Cette affaire, c'est aussi une affaire d'intuition, de flair. Autour de Béranger Bruns, ça sent le crime. La famille de Christelle le voit tout de suite. Il transpire tellement quand on le soupçonne. La famille le sent, les policiers mettront beaucoup plus de temps. Christelle n'est toujours pas là. C'était pourtant convenu comme ça. Elle devait venir déposer Lucas ce mardi matin 22 février pour qu'il passe les vacances chez sa grand-mère. Et vendredi dernier au téléphone, Christelle a bien précisé qu'ils arriveraient tôt. Le petit était impatient. Mais la journée passe, sans aucune nouvelle de Lucas et de sa mère. On a appelé toute la journée. Sans réponse. Son portable chez elle, pas de réponse. Le portable nous disait « Votre correspondant est momentanément indisponible, rappelez ultérieurement. » Dans son appartement de Montreuil, la grand-mère attend, sans comprendre. En fin de journée, le téléphone sonne. C'est l'ex-compagnon de Christelle, le papa de Lucas. Lui aussi est très inquiet. Dimanche dernier, ils étaient invités tous les trois à un anniversaire. Mon beau-frère Gilles m'appelle en me disant qu'elle ne s'est pas rendue à l'anniversaire. Et depuis dimanche, il n'a pas de nouvelles d'elle, en fait. Deux jours sans nouvelles. Dans la famille, l'inquiétude grandit. C'était pas normal parce que, étant donné que avec Christelle on était très proches, que ce soit ma mère, moi ou enfin, on était très proches et Christelle pas donné de nouvelles pendant deux jours, c'est pas normal. Je suis partie au commissariat de Montreuil déposer une main courante pour disparition. Et puis bon bah là, les agents de police ils m'ont pas pris au sérieux en fait. Ils m'ont dit que elle avait tous les droits de disparaître quand elle voulait. Elle était peut-être partie en vacances. Elle s'était peut-être même suicidée sans prévenir sa famille. Qu'elle avait tous les droits du fait qu'elle était majeure. Je la voyais pas disparaître comme ça du jour au lendemain, sans donner des nouvelles à sa mère. Moi, j'ai essayé de l'appeler. Elle me répondait pas non plus. Enfin, on pouvait même plus la joindre de toute manière. Pour moi, c'était pas possible. Le lendemain matin, la sœur de Christelle reçoit un appel de Béranger Bruns, le patron de Christelle, son amant aussi. Il me disait « Oui, Élodie, écoute, je suis inquiet, j'ai pas de nouvelles de ta sœur depuis dimanche, depuis qu'elle a quitté le travail. » Donc il me dit « Écoute, si t'as des nouvelles, appelle-moi. » Béranger Bruns ajoute qu'il a un double des clés de l'appartement de Christelle, le deux pièces où elle vit seule, avec son fils. Il me dit « Écoute, si tu veux, tu viens les récupérer au travail. Je suis toute la journée au travail, donc viens les récupérer. » Élodie et sa mère quittent tout de suite Montreuil pour aller récupérer les clés. Elles se rendent au marché Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris où Béranger Bruns tient une boutique de spécialités italiennes. Quand elles arrivent, le traiteur les attend, fébrile. Il était très nerveux, très très nerveux. Il avait sa doudoune manche courte. Il la zippait, comme ça. Il n'arrêtait pas de la monter, de la descendre. Il mettait ses mains dans ses poches. Et on sentait la nervosité à l'intérieur de lui et l'angoisse sur son visage. Élodie l'observe attentivement et remarque deux griffures. Il en avait une au niveau de l'œil ici et du nez ici. Et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que t'es tombé, il t'est arrivé quelque chose. Donc il m'a dit que sa vitrine lui était tombée sur le coin du nez. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, qu'une vitrine fasse une griffure là et une griffure là. Bizarre, et pour tout dire, suspect. Liliane, vous êtes la maman de Christelle et la grand-mère du petit Lucas. Ça fait trois jours qu'ils ont disparu et vous êtes... D'abord inquiète, ce qui est normal, mais vous pensez tout de suite au pire. Pourquoi ?
Parce que Christelle, c'était une jeune femme qui n'avait pas coupé le cordon. Voilà. Avec vous ? Oui, avec moi. Et quand on est une maman, ben on pense tout de suite au pire. Et j'ai pensé au pire. Elle vous aurait appelé ? Tous les soirs, elle m'appelait. Moi, une heure et demie. Et... Vous parliez une heure et demie au téléphone ? Oui. Tous oui, les jours ? Parce qu'elle s'ennuyait, elle n'était pas bien. Et elle avait besoin, certainement, de me parler. Et puis, bon, ben, on discutait de tout, de rien. Mmh. Voilà. Donc, elle ne peut pas être partie sans, non. sans non, vous avoir prévenu ? Non, c'était pas possible. Pas Christelle. Mmh. Pas Christelle. Pire que ça, vous pensez au pire et vous pensez que le pire a pu être commis par Béranger Bruns dès le début. Ah, dès le début. Mais alors pourquoi ça ? Parce que c'était une histoire qui était fusionnelle, passionnelle et tout ce qu'elle me racontait, bon, elle en a raconté à Élodie. Bon, moi, elle a caché un petit peu vu que je suis maman. Mmh. Voilà. Et pour nous, c'était Béranger. Qu'est-ce qu'elle racontait à Élodie ? Qu'il était méchant. C'était une personne qui était... Violent ? Violent, oui. Mmh. Il a été violent avec Lucas aussi. Mmh. Donc tout de suite, vous pensez qu'il a pu lui faire du mal ? Oui. Ah oui. Mais ça n'est que de l'intuition. Oui, c'est l'intuition d'une maman. Voilà. Dès qu'elles ont les clés, la mère et la fille foncent chez Christelle, rue Lucien Sampé, à quelques pas du marché Saint-Martin. Elles font rapidement le tour de l'appartement. Là, rien ne manquait. Tout était chez elle. Les chaussures, les manteaux, tout. Le frigo était plein. Son sac à main était là. Ses cigarettes. Alors que ma sœur, elle sort jamais sans ses clopes. Dès le départ, au moment où on est rentré dans l'appartement, on savait qu'il s'était passé quelque chose. Élodie et sa mère sentent que Christelle et Lucas sont en danger. Elles se rendent au commissariat le plus proche et racontent dans quel état elles ont trouvé l'appartement. Et elles ne cachent pas leurs soupçons envers Béranger Bruns. Elles convainquent deux policiers de les accompagner chez Christelle. Ils ont visité juste la salle à manger. Avec leur lampe torche, ils ont regardé. Non, non, il n'y a rien. Les flics, ils s'en foutaient. Pour eux, en plus, c'était le début des vacances scolaires. Donc pour eux, c'était une disparition banale. Elle était partie en vacances avec son fils, sans rien dire à personne, en laissant son frigo. Plein, parti en vacances sans sac de sport, sans sac de voyage, ce qui n'est pas logique. Et sans les tétines de Lucas, et sans son blouson, en plein hiver. Mabel, le jeune cocker de la famille, a aussi disparu. On savait qu'il s'était passé quelque chose, mais il ne voulait pas l'entendre. Il voulait pas l'entendre. Pour les policiers de la brigade des mineurs, Lucas et sa mère seront de retour lundi pour la rentrée des classes. La mère de Christelle est trop alarmiste. Liliane Leroy, le mercredi 23 février, avec Élodie, la sœur de Christelle, vous allez donc au commissariat. Vous leur dites quoi ? Bon, j'ai dit que ma fille avait disparu. Et là, ils m'ont dit, on ne peut rien faire. Elle a le droit de disparaître avec son fils, elle a le droit de se suicider, elle est majeure, elle a le droit. Et bon, de là, on nous a pris un peu pour des fous. Voilà. Et ils nous ont dit, bah, vu que c'est les vacances de février, on commencera à enquêter que dans 15 jours. Et c'est là que vous vous dites, bon, avec les policiers, j'arriverai à rien, donc je vais contacter les médias. Voilà. Donc vous faites le tour des médias. Oui, j'ai appelé TF1, j'ai appelé... Antenne 2, M6, je demandais pas grand-chose, je demandais un avis de recherche pour savoir si quelqu'un avait aperçu ma fille. Vous vouliez qu'il diffuse une photo, voilà. En disant c'est on recherche. C'est tout ce que je demandais pas grand-chose. Mais évidemment... Tout le monde m'a fermé les portes. Ben oui, parce... Non, on peut rien faire. D'ici, y a pas, parce qu'il fallait que ça aille au parquet, je pense, mm-hmm. Et de là, ils auraient déclenché quelque chose, mais là, alors, ils pouvaient pas. Sauf un journaliste. Voilà. C'est ben, le nouveau détective, Nicolas Deliez. Vous allez le voir comme vous êtes allé voir les autres ? Non, j'ai téléphoné, je dis voilà ce qui se passe. J'ai ma fille, mon petit-fils qui ont disparu depuis, ben, ça faisait déjà 4 jours. Et de là, il m'a dit, bon, ben, on va passer chez vous. Le jeudi 24 février 2005, Nicolas Deliez, journaliste au nouveau détective, se rend chez Christelle.
Quand je suis rentré dans l'appartement, l'atmosphère était extrêmement lourde. La mère de Christelle Leroy était avec ses trois filles. On voyait vraiment qu'elles étaient très anxieuses. En fait, elles m'ont expliqué qu'elles ne dormaient plus depuis trois jours. Donc il y avait vraiment une grosse tension. Nicolas Deliez écoute, puis fait le tour de l'appartement. On a l'impression que Christelle s'est complètement évanouie avec son fils dans la nature. Qu'elle est partie en courant, en laissant tout comme ça, sans ranger quoi que ce soit. Il y a toujours des quignons de pain rassis sur la table du salon. L'impression que la vie s'est arrêtée en une seconde. Beaucoup d'éléments sont curieux. Il y a un gros tas d'habits sales qui est à même le sol. Un séchoir à linge qui est renversé avec des épingles cassées partout. Apparemment, Christelle n'avait pas du tout l'habitude de laisser en bazar sa salle de bain. Le journaliste est de plus en plus intrigué. Et pendant que la mère de Christelle fouille dans les papiers de sa fille, lui refait un tour de l'appartement. Je ne sais pas vraiment ce que je cherche, mais j'ai besoin de rejeter un œil, juste peut-être pour revérifier ce que j'ai collecté jusque-là. Et mon attention est attirée par la serrure de la porte d'entrée. Sur la porte, il remarque une petite trace brune. Dans mon esprit, à ce moment-là, c'est une évidence, c'est du sang. Et en me retournant, je vois d'autres traces brunâtres. Sur le chambranle de la porte de la salle de bain, je vais voir carrément des traces de coulure dans l'intérieur de la serrure. Tout de suite, je pense à un carnage. Et le journaliste montre à Madame Leroy ce qu'il vient de découvrir. Madame Leroy, comment est-ce que vous réagissez quand le journaliste du Nouveau Détective vous dit « J'ai trouvé des traces de sang dans l'appartement ben, » Aussitôt, je me suis mis à crier, j'ai dit « Ma fille est morte ». Bon, j'ai eu un autre mot qui a été un peu vulgaire. J'aurais pas dû le dire, c'est vrai. J'ai dit « Il les a butés » et j'aurais pas dû le dire. Parce que j'étais tellement, voilà, et pour moi, voilà, c'était clos, ils étaient... Il n'y avait plus Christelle, il n'y avait plus Lucas. Et Béranger Brown les avait tués ? Oui. À quoi vous attribuez finalement la force de votre intuition ? Bah, le cœur d'une maman. Voilà. Le cœur d'une maman, voilà. Vous le connaissiez, Béranger Brown ? Oui. Il vous est pas bon effet ? Dès le début que je l'ai vu, non. J'ai dit à ma fille, j'y arrête avec. J'ai dit, moi, il me plaît pas, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il avait ? Il y avait quelque chose au fond de lui qui me disait qu'il était faux, qu'il était... Il était faux. C'est un homme qui voulait acheter les gens. Madame Leroy prévient la police. Pendant que le journaliste fonce au marché Saint-Martin, il se dit que Béranger Brown va être arrêté rapidement. Il veut donc l'interviewer avant qu'il ne se fasse embarquer. J'aperçois Béranger Brown derrière son étal. C'est un grand type d'environ 1m90, brun, l'air jovial, un peu rondouillard. En face de moi, il va... tout de suite essayer de comme faire copain-copain. Enfin, j'ai l'impression qu'il cherche un peu à m'amadouer. Mais quand le journaliste lui parle de Christelle, Brown se raidit et dresse un portrait peu flatteur de celle qui est sa maîtresse depuis bientôt un an. Il me dit que c'est une fille spéciale, qu'elle a un fichu caractère et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle, mais sans jamais rentrer dans les détails. Et là, je sens qu'il est vraiment gêné par mes questions et il va me conduire, en fait. Il va me dire que voilà, c'est au tour de la police de faire son travail et que lui, il n'a plus rien d'autre à ajouter. Le journaliste du Nouveau Détective quitte le marché, persuadé que Béranger Brown ne lui a pas tout dit. Étrange affaire, dans laquelle la famille et un journaliste ont des intuitions fortes, on les a tués, il les a tués, Béranger, le patron amant, les a tués, et des policiers... sont toujours dans une enquête pour disparition. D'ailleurs, désormais, ce n'est plus la brigade des mineurs qui enquête,
c'est la brigade de recherche des personnes disparues, la BRDP, qui se rend chez Christelle, accompagnée de 3 techniciens de l'identité judiciaire, qui sont chargés des analyses et des prélèvements de sang. Les experts examinent tout de suite les traces de sang découvertes par le journaliste. Elles ne les inquiètent pas. On ne voit pas des grosses projections qu'on pourrait imaginer. Ce sont vraiment, c'est pas très gros, c'est même moins qu'un ongle. C'est pas flagrant. Ça ne ressemble pas à une scène de crime. En revanche, l'appartement regorge de signes inquiétants. Ces traces de sang, elles étaient infimes. Mais tous les éléments que j'ai pu constater qui étaient réunis, que ce soit le réfrigérateur, le linge, les chaussons de l'enfant, les déclarations de la maman, me laissaient penser que quelque chose de très, très grave avait pu se produire. Les experts n'ont trouvé ni trace de lutte, ni trace de violence. Mais l'atmosphère qui règne dans l'appartement ne leur dit rien qui vaille. J'entends des commentaires qui se font à voix basse pour ne pas que la famille entende, pour ne pas non plus faire peur à la famille, on sait, c'est pas le but. Et donc j'entends une des filles, je me souviendrai toujours, qui disait c'est pas bon, c'est pas bon. Alors les experts multiplient les analyses. J'ai recueilli le maximum d'éléments, j'ai fait des prélèvements, le collègue a fait des recherches de traces papillaires, ma collègue a figé les lieux en réalisant des clichés photographiques. On a fait le maximum. Le maximum, même si les policiers ne sont pas certains que l'affaire doive être traitée comme un crime. On se pose des questions. On se dit, mais quelles vont être les suites données à cette affaire, effectivement? Car ça n'est pas la crime qui enquête dans cette affaire. C'est la BRDP. Dominique Rizet, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça n'est pas la brigade criminelle qui enquête dans cette affaire ? Eh bien Christophe, parce qu'on n'est pas dans une affaire de crime pour l'instant. Hein. On n'enquête pas sur un crime, on est dans le cadre d'une disparition d'une femme majeure, Christelle, 26 ans, et de son petit garçon de 4 ans, Lucas. Voilà pourquoi la BRDP reste saisie de l'enquête. La BRDP, brigade de répression ? De la délinquance à la personne. Alors c'est un petit service de la PJPP, police judiciaire, préfecture de police de Paris, qui fait un boulot énorme, qui enquête chaque année sur 3000 disparitions de personnes majeures. Alors comment travaillent ces policiers? Eh bien tous les jours, ils appellent les hôpitaux, les lieux d'hébergement, les foyers, la morgue, et on essaie de voir si ça colle à une disparition signalée. Hein. C'est un service de PJ, donc qui a un pouvoir coercitif. Ils peuvent procéder à des auditions, hein, des auditions de proches de la personne disparue. Ils peuvent procéder à des réquisitions judiciaires, réquisitions par exemple sur les comptes en banque. Ils peuvent aussi procéder à des perquisitions qui peuvent être menées chez les proches du disparu ou même au domicile du disparu. Et sur les 3000 disparitions chaque année, 3 cas, c'est la moyenne annuelle, sont des affaires qui sont confiées à la CRIM. Je reviens à l'idée que ça pourrait quand même être confié à la CRIM, ce dossier-là. On a une technicienne de la police scientifique, de l'identité judiciaire, qui, se rendant sur la scène de crime, dit qu'elle a l'impression, le sentiment que la personne a été tuée, qu'elle a été tuée là. Donc là, il y a des éléments. C'est une femme qui travaille pour la police. Les éléments, en fait, c'est son flair, Christophe. Rien de plus. C'est son instinct de flic, rien d'autre. Elle sent, en entrant dans cet appartement, qu'il s'y est passé quelque chose de grave. Mais à côté d'elle, les gens de la BRDP, eux, ouvrent les tiroirs, cherchent enquête de façon classique, et ils restent, eux, dans une affaire de disparition, et ils pensent que Christelle et son fils Lucas vont réapparaître puisqu'on arrive à la fin des vacances scolaires. Vendredi 25 février, Lucas et sa mère ont disparu depuis bientôt une semaine, et la BRDP poursuit son enquête. Après avoir visité l'appartement de Christelle, deux policiers se rendent au marché Saint-Martin pour y interroger Béranger Bruns. Il s'attend à nous voir. Il n'est pas surpris. Il explique que dimanche dernier, le jour de la disparition de Christelle, il l'a raccompagnée chez elle vers 14h
après son travail. Il dit également qu'ils se sont disputés, mais que c'était un petit peu leur lot quotidien, donc c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Donc voilà, il est parti fâché, on va dire, et puis après, il n'a plus de nouvelles, il est comme dans la famille. Où est Christelle ? Les policiers ne lui parlent pas des traces de sang, et les griffures sous son nez les laissent perplexes. C'est pas une grosse cicatrice, c'est vraiment une petite marque. En plus, on le voit donc le 25. Si dispute il y a eu, s'il y a eu le 20. Donc ça a peut-être dû aussi un peu cicatriser. Donc au moment où on arrive, c'est pas très flagrant. Les policiers quittent le marché. Rien de ce qu'ils ont appris n'étaye les soupçons des Leroy contre Béranger Browns. C'est les dires des uns contre les dires des autres. Effectivement, on pourrait penser que ce que nous dit la famille, c'est vrai. Enfin, on s'orienterait vers ça, mais on ne connaît pas les gens. Donc, si vous voulez, on ne connaît pas la relation peut avoir Christelle avec la famille. À ce moment-là, les policiers ne sont pas du tout certains d'avoir affaire à un meurtre. On aura un corps retrouvé 2 jours après. Bon, voilà. Mais là, on n'a pas de corps. On n'a rien. À ce moment-là, tout est possible. Les policiers recueillent le témoignage de la voisine de Christelle, qui est aussi sa propriétaire. Elle était chez elle le jour où Christelle a disparu. Ce dimanche-là, je n'ai rien, strictement, rien entendu. L'appartement de Christelle étant juste derrière une cloison qui fait à peine 5 cm d'épaisseur. S'il y avait eu quelque chose, nous étions deux. À la rigueur, je peux dire que je suis sourde, mais ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons rien entendu. En revanche, le lendemain soir, le lundi, elle est certaine d'avoir vu Christelle sur son palier. Je suis rentrée comme je rentre d'habitude, d'ailleurs c'est mes horaires. Il était pratiquement près de 19h, la porte était ouverte. J'ai vu une jeune femme, même morphologie, même taille, passer la serpillière. Ce témoignage change tout. Si Christelle était chez elle lundi soir, Béranger Browns n'est pas le dernier à l'avoir vue dimanche à 14h. D'ailleurs, au marché, Browns a l'air sincèrement affecté par la disparition de Christelle. Lui disait vraiment, limite pleurer même devant la boutique. C'est arrivé une ou deux fois où vraiment on voyait qu'il avait du chagrin, on voyait qu'il était triste. C'est arrivé une fois qu'il était un matin avec les larmes aux yeux, en pleurs, il disait je la trouve plus, on sait pas, j'essaie de l'appeler. Il était inquiet. On sentait, voilà, il savait pas où elle était, que vraiment ça l'embêtait, lui manquait quelque chose. Béranger Browns se rend d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'appartement avec la voisine de Christelle. On continuait à chercher des indices. Il avait l'air désespéré. Oui, il avait l'air très triste. Une tristesse qui fait même douter la famille Leroy. À un moment, Liliane Leroy, vous aussi, vous vous mettez à abandonner la piste de Béranger Browns. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Vous n'y croyez plus, vous ne croyez plus que c'est lui. Béranger est venu à la maison. Et il était devant moi, je dis Béranger, je dis dis-moi, si, jure-moi devant moi, je dis, si tu as fait quelque chose à Christelle et à Lucas. Et il me regarde, il me dit non Liliane, il me dit j'ai rien fait à Christelle et à Lucas. Il me dit, souvent il dit je vais dans l'arrière de ma boutique, il me dit je regarde la photo de Christelle, il me dit je me mets à pleurer, il dit elle me manque. Il avait l'air sincère. Il était sincère. Puis quand il est parti, j'ai regardé ma fille, j'ai regardé Elodie, puis je dis, c'est pas possible, c'est pas lui. Mais alors, elle est disparue comment, Christelle, à ce moment-là, si ça n'est pas Béranger Browns ? Après, il y a plein de choses qui vous passent par la tête. J'ai pensé qu'elle avait peut-être fait du mal à son fils, qu'elle était partie suicider. Il y a plein de choses. Et puis on est resté comme ça pendant 2 mois, sans rien savoir. Les policiers se penchent alors sur la vie de Christelle et ils découvrent un parcours chaotique. Quand elle disparaît, Christelle a 26 ans. Sur ses photos, elle semble tout juste sortie de l'adolescence. Imaginez-vous
Édith Piaf en châtain clair. Un moineau, peut-être pas tombé tout à fait de la branche, mais pratiquement. Tout en étant, si vous voulez, petite et fluette, elle avait un certain air dur dans le regard. C'était une femme qui avait vécu, et ça se voyait sur elle. Christelle est la troisième d'une famille de cinq enfants. Quatre filles, un garçon. Une maman assistante maternelle, un père coursier. Elle a vécu à Montreuil une enfance heureuse. Bien sûr, elle avait un caractère, disons, bien trempé. Une fois, quand elle était plus jeune, quand elle était au collège, elle avait manqué pendant pratiquement 2 mois. Et puis, elle récupérait le courrier dans la boîte aux lettres pour pas que mes parents y tombent dessus. Donc voilà, elle faisait des mots à la place de mes parents. Christelle, c'était aussi une rebelle. Une rebelle qui n'aimait pas trop les études. Elle a quitté l'école à 16 ans, son CAP de vendeuse en boucherie-charcuterie en poche. La vie, elle apprenait comme elle venait, quoi. C'était pas, elle planifiait rien, elle faisait pas de projet, elle s'en foutait. Elle vivait au jour le jour, elle prenait ce qu'il y avait à prendre et puis on verra demain, quoi. Et l'amour, Christelle le cherchait partout. Dès que quelqu'un lui en donnait un peu, même beaucoup, elle s'accrochait et elle rêvait un peu au prince charmant. Ces princes charmants étaient toujours plus âgés qu'elle, souvent mariés et avec une bonne situation. C'est vrai qu'on allait beaucoup au restaurant, je la sortais partout où on allait, de toute façon je payais, donc je me posais même pas la question. J'aimais bien ce côté un peu, on changeait, on allait à droite à gauche. Je m'en suis aperçu aux vacances, parce que c'est vrai qu'on changeait souvent d'hôtel, et ça lui plaisait beaucoup. Si j'avais pas eu d'argent, enfin façon de parler, très peu d'argent, je sais pas si elle aurait vraiment continué la relation beaucoup plus longtemps. Quelques mois après cette rencontre avec Yvan, Christelle tombe enceinte. Elle rompt avec sa famille qui croit à une fugue. Yvan, lui, quitte sa femme. Mais les amoureux réalisent très vite qu'ils ne voient pas l'avenir de la même manière. Elle, ce qu'elle voulait à la base, c'était avoir l'enfant, garder l'enfant, élever l'enfant et puis s'occuper de la maison, mais sans travailler. Disons que c'était moi qui allais travailler et puis c'était tout, ça s'arrêtait là. Mais la famille de Christelle intervient et met fin à cette relation. Christelle avorte. Mais elle garde son rêve de femme au foyer. Quelques années plus tard, elle rencontre Gilles, un poissonnier qui a 16 ans de plus qu'elle. Pour elle, il quitte femme et enfant, et Lucas naît le 6 octobre 2000. Mais Christelle n'est toujours pas comblée. Elle me disait que le père de son fils n'était pas assez attentionné, radin aussi. Et puis par rapport à ses enfants qu'il a vus avec son ex-femme, elle trouvait qu'il la délaissait par rapport à ses enfants. Quand ils étaient là, elle n'existait pas. Je crois que c'est ça qui lui manquait. Elle voulait qu'on s'occupe d'elle. Qu'on s'occupe d'elle, tout en la laissant libre, car elle veut continuer à sortir en boîte une fois par semaine avec sa meilleure amie. Ça me faisait comme des folles. On se retrouvait toutes les deux, sans les enfants, et on était bien, on s'amusait, on était heureuses toutes les deux. Elle s'éclatait, donc elle a respiré la joie de vivre, et bon, ça, elle a tiré un peu les hommes. S'il y en avait un qui lui plaisait, elle flirtait un petit peu. Début 2004, Christelle plaque Gilles et retourne vivre chez sa mère avec son fils. Quand la situation lui convenait plus, elle changeait tout. De travail, de copains, et elle partait sans rien dire, elle lâchait tout et pas d'explication. En février 2004, quelques mois après son retour à Montreuil, Christelle trouve un emploi à Paris, au marché Saint-Martin, et les vendeuses chez un traiteur italien. Son patron s'appelle Béranger Bruns. Il a 15 ans de plus qu'elle, il est marié et père de 2 enfants. Du jour au lendemain, on les a vus ensemble. Ils s'embrassaient devant tout le monde. Quand ils n'avaient personne à la boutique, ils s'asseyaient sur une chaise dans le marché. Christelle était sur ses genoux, il a ploté devant tout le monde. D'ailleurs, tout le monde s'est posé la question si Béranger n'était pas en train de divorcer, quoi. Jusqu'au jour où on a vu sa femme arriver et que là, on a dit « Oula !» Et ils étaient là, tous les trois, et
Et même lui embrassait Christelle devant sa femme et sa femme disait rien. J'ai dit voilà, vous allez vous amuser le temps qu'il faudra. Mais moi, je préfère le partager que de tout perdre. Parce que j'ai quand même 20 ans de construction avec lui, de ménage, j'ai les enfants, on a tout qui est bâti. Et c'est pas toi qui vas tout détruire. Béranger Bruns couvre Christelle de cadeaux. Il lui achète des bijoux, un scooter et lui trouve même un appartement à quelques rues du marché. Son argent, c'est tout ce qu'il avait. Hein. Son argent, sa boutique. Tout ça, il nous a montré hein, qu'il avait que ça. Hein. Que c'était monsieur, moi j'ai du fric. Et c'est comme ça qu'il a amadoué ma sœur. Je sais pas avec son physique. Hein. Christelle était une jeune femme instable. Il est donc tout à fait possible qu'elle ait tout quitté sur un coup de tête. Mais ça fait quand même 2 semaines qu'elle a disparu avec son fils. Depuis la rentrée des vacances de février, Lucas n'est pas retourné à l'école. Les comptes en banque de Christelle n'ont pas bougé. Aucun hôtel, aucun foyer, aucun hôpital n'a vu la mère et l'enfant. Quant à Mabel, le jeune cocker qui était tatoué, la SPA n'a pas de nouvelles. L'enquête de la BRDP touche à sa fin. Les policiers veulent entendre une dernière fois Béranger Bruns en espérant qu'il leur ouvrira une nouvelle piste. Il nous a expliqué qu'il lui payait beaucoup de choses, qu'il lui payait le loyer, qu'il lui payait un scooter, qu'elle lui devait un petit peu d'argent, qu'elle était un petit peu dépensière, et que leur relation était un petit peu, pas tumultueuse, mais que Mademoiselle Leroy avait beaucoup de tempérament, et qu'elle avait peut-être décidé plus ou moins de, pas de le quitter, mais enfin de prendre peut-être un petit peu de distance. Il est resté calme, il a répondu à nos questions normalement, nous a fait comprendre qu'il était quand même toujours amoureux d'elle, qu'il attendait son retour. Rien de neuf. Mais une question brûle les lèvres des policiers. Ma collègue lui a posé la question comme ça. Vous les avez quand même pas tués? Il nous a répondu bien sûr que non. Bruns, il est inconnu de nos services. Il est marié, 2 enfants. Qu'il ait tué Christelle suite à une dispute, il n'aurait pas eu d'enfant, bon, ça aurait pu être possible. Mais là, il y a un enfant qui est dans l'appartement. Et là, il faut tuer l'enfant. Et là, là on n'est pas dans le cadre d'un bête accident. Je l'ai poussée, elle est tombée, elle est malade. Là, il faut y aller. Donc, si vous voulez, ça paraît quand même assez dur. Dur à penser, dur à imaginer. Surtout que, pour nous, il a pas le profil. Et c'est vrai, Béranger Bruns n'a pas une tête de tueur. Et il est sympathique. Au marché Saint-Martin, on l'aime bien. Monsieur Bruns, c'était un garçon sympathique qui faisait bien son travail, qui était un bon commerçant. Il était courageux, c'était un type qui ouvrait toujours à l'heure, qui était présent dans sa place. Pour nous, c'était le bon commerçant du marché Saint-Martin. En étant charmant, en ayant un mot aimable pour les gens de sa clientèle, fatalement, les gens venaient facilement chez lui. C'était l'homme qui avait, dans son contexte, qui avait bien réussi. Une réussite doublée d'une vocation. Car à 15 ans, Bruns, qui était plutôt bon élève, arrête ses études pour passer un CAP de boucher en candidat libre. À 24 ans, il est à la tête de 14 employés. 3 ans plus tard, il achète son premier magasin avec sa femme, puis un second. Et ça marche bien. On a commencé de rien déjà, avec très peu d'argent. Et ce qu'on a, c'est par la force de notre travail. C'était des années sans voir les vacances, sans week-end.
Sa vie, Béranger Bruns la consacre totalement à sa réussite. Plusieurs fois par semaine, il est à Rungis dès 5 heures du matin. Et tous les jours, il passe 8 à 10 heures debout derrière son étal. Il a fallu passer des hivers au froid, parce qu'on n'est pas dans le confort, hein, dans le commerce alimentaire. Donc ben, c'était les mains abîmées, des visages brûlés plus ou moins par le froid. Sa vie à Béranger, c'est ça. C'était le travail et faire son bout de chemin avec ses entreprises. Voilà, pour lui, c'était ça, quoi. Quelqu'un qui bossait, quelqu'un qui s'occupait de sa famille, donc avec sa maîtresse, mais bon, ça c'est autre chose, mais quelqu'un qui était attentionné aux gens, à rendre service aux gens qui s'entendaient bien avec. Attentionné, aimable, bosseur, mais capable aussi de belles colères. Je l'ai vu, moi, une fois au moins, s'énerver dans le bureau où il avait haussé le ton et j'avais été obligé de lui en faire la remarque en lui disant « Monsieur, ici, on ne se comporte pas comme ça. On peut s'expliquer, mais on ne tape pas du poing sur la table. » En janvier 2003, l'administration du marché se plaint officiellement du comportement du commerçant. Ça n'est malheureusement pas la première fois que vos collègues nous alertent sur vos débordements, dit un courrier qui lui est adressé. Coup porté à une employée, gifle administré à une cliente, crie dans le marché, je vous ai demandé de vous calmer, précise la lettre. Une nouvelle fois, vous ne vous êtes pas contrôlé et vous avez insulté un collègue devant la clientèle. Je me rappelle une réunion entre commerçants où il a attrapé une table et il l'a retournée, quoi, par exemple. Une cliente aussi, il faisait des dégustations. Une cliente qui arrive chez lui, qui va pour prendre un truc à déguster, quoi. Et il a fallu qu'on intervienne pour pas qu'il frappe la cliente, quoi. Parce qu'elle achetait jamais chez lui. Un sanguin. Mais ça n'alerte pas la BRDP. Elle n'enquête pas sur Bruns. Elle recherche une femme qui a disparu avec son fils. Au bout d'un mois, la brigade en charge des disparitions clôt son dossier et le transmet au procureur de la République. Pas de traces de vie des disparus, pas de corps. Cette fois-ci, le procureur ouvre une information et charge la brigade criminelle de l'enquête. Le 4 avril 2005, la crime se met au travail. Et elle tique tout de suite sur le relevé de téléphone portable de Christelle. Téléphone portable qui déclenche le soir de sa disparition, un petit peu après 22h, une borne téléphonique qui se trouve à proximité du domicile de Béranger Bruns. C'est la première fois que le portable de Christelle accroche une borne téléphonique dans le quartier de Béranger Bruns. Or, Bruns soutient depuis le début qu'il n'a pas revu Christelle après 14h, ce fameux dimanche. Le 14 avril, la brigade criminelle demande aux sœurs de Christelle de venir lui ouvrir son appartement. Au moment où on est arrivé, j'ai levé les yeux pour regarder au balcon. Et là, plus rien. Pas les vélos à Lucas sur le balcon, pas de trottinette, rien. Donc la première chose qu'on s'est dit, c'était qu'elle était revenue pour chercher ses affaires, en fait. Les deux sœurs se précipitent dans l'appartement. Et là, nouvelle surprise. Effectivement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de meubles. Il n'y avait plus rien du tout. Et soudain, le portable d'Élodie sonne. Oui, Élodie, c'est Béranger. T'es dans l'appartement avec Christelle ? Donc je lui dis, bah pourquoi avec Christelle ? Il me dit, non, mais est-ce que t'es dans l'appartement ? Bah je lui dis, oui, j'y suis. Je lui dis, comment tu sais que je suis dans l'appartement ? Il me dit, parce que j'ai fait relier l'alarme à mon portable. Je lui dis, écoute, là, on est dans l'appartement, il n'y a plus rien. Il me dit, oui, c'est normal, j'ai enlevé tous les meubles, je les ai mis dans mon garage, au travail. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça ? Il me dit, parce que Madame Lerman, la propriétaire de l'appartement, veut relouer l'appartement. En fait, il avait retiré tous les meubles, il avait nettoyé toutes les empreintes, toutes les investigations qu'avait fait la BRDP. Il avait tout nettoyé, il avait tout enlevé. Mais pourquoi ? Pourquoi si vite ?
On a trouvé ça un petit peu rapide, hein, quand même. Hein. En même temps, il fournissait des explications plausibles. Hein. Mais bon, ça méritait qu'on s'y intéresse davantage. Hein. Quelques instants plus tard, la police débarque au marché Saint-Martin. Pour la quatrième fois en deux mois. Mais cette fois, c'est la brigade criminelle. Lorsqu'on se présente à lui, nous avons la surprise de le voir se mettre à transpirer, mais d'une façon que je n'avais jamais rencontrée. En l'espace de quelques secondes, il était couvert de sueur. C'est simple, la sueur dégoulinait le long du visage, la transpiration paraissait à travers sa chemise, et des gestes de la tête droite à gauche, tout en... Enfin, on le sentait vraiment très très nerveux, ça évoquait une grosse nervosité. Les policiers fouillent le garage de Browns au marché Saint-Martin. Ils y retrouvent toutes les affaires de Christelle. Et un papier retient leur attention. Un rendez-vous pris début février dans le service de gynéco de l'hôpital de Montreuil. Ça, c'était intéressant parce que ça montrait d'une part qu'il était vraisemblable qu'elle était enceinte, ce que Bérangère Brousse ignorait. Et en interrogeant ce service, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas honoré le rendez-vous, ce qui était quelque chose de tout à fait anormal, qui n'allait pas dans le sens d'une disparition volontaire. Ça n'est pas la première fois que Christelle est enceinte de Browns. Elle l'a déjà été fin 2004. À l'époque, elle l'avait quitté et elle avait avorté. Mais Browns avait tout fait pour la rattraper. Il était désespéré et le lui avait écrit. « Je tiens à toi viscéralement, disait-il. Ton odeur est pour moi comme de l'oxygène. Je te supplie de me faire un signe. Je t'aime comme un fou. Mon cœur est marqué à vie. » Et il terminait par ces mots. « À demain, mon cœur. » Je t'aime monstrueusement. Finalement, Christelle était revenue, avec ses caprices, sa jeunesse, ses attentes insatiables. Du haut de ses 26 ans, elle savait qu'elle menait le jeu. Christelle lui donnait rendez-vous, lui posait un lapin, elle prenait sa pause, elle prenait des minutes, elle prenait une demi-heure. Donc lui venait la chercher parce qu'il venait voir ce qu'elle faisait. Alors, suffit qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, bon, moi ou autre. Bon, il essayait, on sentait qu'il grognait un petit peu, quoi. Un jour, il y a eu une altercation tous les deux dans le marché. Je crois que c'est la première fois que Christelle a voulu partir. Et elle arrivait avec le manteau de fourrure, les bijoux et tout. Et puis il y a tout balancé dans la boutique, quoi. Et avec les clés, elle a dit « je m'en vais ». Et puis là, il l'a rattrapée comme un gamin. Limite, il s'est mis à pleurer. Et puis elle est partie, je crois d'ailleurs qu'elle est partie pendant 2 ou 3 jours. Puis après, on les a revus ensemble. On s'est dit, tiens. Moi, je lui demandais, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'attire chez elle? Il me dit, j'en sais rien. Voilà, il me disait, je l'ai dans la peau, je peux pas te dire ce qui m'attire chez elle. Elle savait le mener, elle savait cette petite bonne femme, je pense, était capable de mener ce genre de molosse. Mais Browns, qui aimait Christelle à la folie, s'était promis une chose, il ne quitterait jamais sa femme et ses enfants. Il n'a jamais été question qu'on se sépare. Moi, j'étais là, il était là. Quand je n'étais pas là, c'est sûr qu'il devait se rejoindre. C'était le deal qui était passé entre nous trois. Voilà. Et elle avait du mal à l'accepter. Et quand Christelle lui résistait, Bérangère s'emportait. Christelle, elle me disait qu'elle avait peur. Elle avait peur dans les derniers temps parce qu'il était méchant. Des fois, elle se refusait et ça lui plaisait pas, donc il se mettait dans des états pas possibles, il tapait dans les murs, il se rendait fou. Elle m'avait dit je voudrais pas qu'il s'énerve parce que vu les grosses mains qu'il a, je pense que ça me ferait mal. Donc c'est là que j'ai vu que tout n'allait pas très bien. Assez vite, les policiers de la CRIM sont convaincus que Bérangère Brousse est impliqué dans la disparition de Christelle et de Lucas. Mais ils n'ont rien contre lui, si ce n'est la preuve que le portable de Christelle s'est trouvé à proximité de chez lui le soir de sa disparition. Ça ne suffit pas. Il faut l'interroger et tenter de le faire craquer. Mardi 7 juin 2005. Christelle et son fils ont disparu depuis 3 mois, quand la brigade criminelle revient au marché Saint-Martin. Bérangère Brousse en ressort, menottes au poignet. Le jour de son arrestation, il était froid, il était stoïque.
Il avait un regard, pas un regard dans le vide. Il avait un regard où il fixait... Il nous a tous fixés un par un. Il n'a pas baissé les yeux à aucun moment. Alors, lorsqu'on l'interpelle, mon sentiment est qu'il s'attendait à ce que ça arrive. Donc il n'était pas excessivement surpris du fait de se retrouver en garde à vue. Au même moment, une seconde équipe de la CRIM place la femme de Bruns en garde à vue. Il la soupçonne de complicité. Mais ils m'ont rien dit. Et juste à un moment, j'ai entendu qu'ils disaient « Vous amenez Monsieur Bruns, mais il faut pas qu'il se voie, on va passer par les escaliers. » Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce Bruns? Vous savez, dans ma tête, je me dis, mais c'est vraiment les policiers qu'on voit à la télé, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Je me dis, pour une disparition, quand même. À la brigade criminelle, les époux sont entendus séparément. Le couple doit raconter en détail son emploi du temps le dimanche 20 février 2005. Béranger Bruns explique que ce jour-là, la journée a mal commencé. À 9h, Christelle n'était pas encore arrivée à la boutique. Et une demi-heure plus tard, il la retrouvait tranquillement assise au café d'en face avec le fromager. Il a dû aller la chercher. Ça l'a énervée. Pendant toute la matinée, l'ambiance est restée glaciale derrière le comptoir. Mais vers 14h, Bruns a quand même raccompagné Christelle chez elle, comme chaque dimanche. C'est là que le ton est monté. Une fois de plus, Christelle lui a dit qu'elle voulait le quitter. Là, une dispute éclate entre la jeune femme et lui. Une dispute assez violente, puisque, nous dit-il, elle le gifle, il la gifle à son tour. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a une écorchure sur l'arête du nez. Et donc il s'en va en la laissant et le petit garçon. Un peu plus tard, il se rend compte qu'il a oublié son téléphone portable chez elle. Donc il revient dans l'appartement. Comme il a le double des clés, il rentre. Entre-temps, Christelle est sortie. Bruns raconte qu'il découvre quelques petites gouttes de sang dans la chambre et dans la salle de bain. Il se dit qu'il est peut-être arrivé quelque chose à Lucas, un accident, une blessure. Il ne pense pas à appeler la police. Il nettoie simplement un peu avant de partir. Il sort dans la rue et là rencontre Christelle Leroy toute seule qui vient vers lui et qui lui dit effectivement qu'il s'est passé quelque chose, mais elle ne veut pas lui dire quoi. Il suppose qu'il y a eu quelque chose de grave, mais elle ne veut pas en dire plus. Elle lui demande de l'argent pour partir. Alors il lui remet 2 000 ou 3 000 euros qu'il avait sur lui, c'était la recette du magasin. Et elle s'en va et il n'a plus de nouvelles d'elle à partir de ce moment-là. Pour le moment, les policiers prennent tout ce que leur dit Bruns pour argent comptant. Ça fait partie du jeu. Pour le mettre en confiance. Après ce premier interrogatoire, il le descend en cellule pour le laisser se reposer. Mais il libère sa femme. Ils n'ont rien contre elle. Et quand moi je suis sortie de la garde à vue, j'ai dit mais je peux voir mon mari. Il m'a dit mais non, vous ne pourrez pas le voir. J'ai dit mais juste, je l'ai supplié. J'ai dit mais un petit peu, laissez-moi le voir, laissez-moi le toucher. Et j'ai croisé mon mari dans les escaliers alors qu'on n'aurait jamais dû se croiser. Et il m'a attrapé la main, il me l'a serré. Et au moment où je vous le dis, je ressens encore ce geste-là. Il m'a dit t'inquiète pas. Et après, on a été séparés. Je ne l'ai plus revu. Pendant plus de 5 heures, Béranger Bruns a donné sa nouvelle version. Les policiers appellent ça le PV de chic. Une audition pendant laquelle il n'interrompt pas le témoin. Il ne lui oppose aucun élément du dossier. Il le laisse mener le jeu pour le mettre en confiance. Ensuite, il laisse Bruns se reposer un peu, s'attendrir seul en cellule, puis ils le reprennent entre quatre yeux. Maintenant, c'est la vérité qu'ils veulent. Il est bientôt minuit. Au quai des Orfèvres, les policiers ne sont pas pressés. Ils n'ont affaire ni à un voyou, ni à un grand truand. Bruns est un commerçant, bon père de famille. Il faut le mettre en confiance, il viendra tout seul. Il faut créer une espèce de climat propre aux confidences, en essayant de créer un lien entre le gardé à vue et les policiers qui lui parlent, en évitant de toute manière qu'il y ait trop de monde autour de lui pour qu'un lien puisse se créer. Les trois policiers jouent sur la corde sensible. Ils lui parlent de Christelle, de cette fille dont il était fou amoureux et qui semblait le mener par le bout du nez.
Béranger Bruns baisse la garde. Et là, ils abattent leur seule carte. Le portable de Christelle. On a discuté avec lui, cette fois-ci, en lui disant que ce qu'il nous disait était bien beau, mais ne collait pas, notamment avec cet élément très important, du téléphone de Christelle, qui déclenchait une borne à 22h15 ou 16, à proximité de son domicile à lui, alors que dans ce qu'il vient de nous raconter, il l'a laissé, elle et son téléphone, dans son appartement en milieu d'après-midi. Béranger Bruns vacille. Il ignorait cet élément de l'enquête. Pour la première fois, il reste sans voix. On avait devant nous un monsieur tout le monde qui se retrouvait dans une espèce de spirale qu'il ne maîtrisait plus maintenant, puisqu'il était en garde à vue. Il se rendait compte qu'il allait bien être obligé de dire la vérité. Je pense qu'il a envie d'expliquer quelque chose, mais c'est terriblement difficile. Hein. C'est terriblement difficile hein, pour quelqu'un de reconnaître ça et de verbaliser hein, cette action. Et c'est là qu'à un moment donné, il nous dit « Mais écoutez, vous ne retrouverez pas les corps. J'ai étranglé Christelle et son fils. » Et bon, voilà, je les ai découpés, voilà, tout simplement. À partir du moment où il y a eu ce déclic, où il a commencé à raconter la vérité, c'est venu de manière assez fluide. Parce que faire des aveux, c'est finalement une sorte de libération. Étranglé et découpé. Voilà, il a avoué, il a tué Christelle et Lucas. Braun s'est épuisé. Il demande à se reposer. Il donnera plus de détails demain matin, après sa première nuit en cellule. Mercredi 8 juin 2005, 9h30. Béranger Bruns reprend en détail le récit de son double meurtre. Ça s'est bien passé le dimanche 20 février. La voisine s'est donc trompée lorsqu'elle a cru voir Christelle le lendemain sur le palier. Ce jour-là, raconte Bruns, le ton est monté dans la salle de bain. Christelle l'a giflé. Il l'a giflé en retour. Mais il ne s'est pas arrêté là. « Je n'étais plus moi-même. » Il y avait une telle charge d'émotion, raconte-t-il, que j'ai explosé. C'est à ce moment-là que Lucas est arrivé. Béranger l'a repoussé violemment et l'a frappé. Le nez du petit s'est mis à saigner. L'enfant s'est réfugié dans sa chambre et Béranger s'est retrouvé à nouveau seul avec Christelle. Et là, il nous dit être sorti de ses gonds, être dans un état second, ne plus supporter la situation, et c'est là qu'il l'étrangle dans la salle de bain. J'étais tétanisé, dit-il. Je ne pouvais plus m'arrêter. Quand il a vu que Christelle ne bougeait plus, il est parti chercher Lucas. Il dit qu'il est sur un point de non-retour. Il a atteint un point de non-retour. Le petit est là, le petit Lucas, et donc il procédera de la même manière avec lui. Il fallait qu'il disparaisse. Il étrangle le petit dans la salle de bain, près du corps de sa mère. Ensuite, il transporte les deux corps sur le lit, puis il étouffe le chien. Il s'est mis à pleurer lorsqu'il a expliqué que ben, il avait étranglé Lucas et sa mère. Et là, il s'effondre. Béranger Bruns se reprend et explique qu'ensuite, il a rejoint sa femme à la maison, comme il le faisait tous les dimanches, mais qu'il ne pouvait pas rester en tête à tête avec elle. Alors il a proposé d'aller faire les magasins dans le quartier de Bercy. Il est incapable de se souvenir de ce qu'il a vu. « J'étais ailleurs, dit-il. » Dans un état second. À 21h30, sa femme est partie pour l'hôpital où elle travaille la nuit en plus de son travail dans leur seconde boutique. Il en a profité pour retourner chez Christelle. Là, il a glissé les corps dans un sac poubelle qu'il a placé dans deux sacs de voyage
de grande taille. Ces deux sacs, il les a portés dans le coffre de son 4x4, garé en pleine rue. Direction le marché Saint-Martin. Brown s'est garé dans le parking, désert. Puis il a monté les deux corps dans son arrière-boutique. Il a commencé par prendre le sac qui contenait le corps de l'enfant. Il a enfilé un tablier en plastique pour ne pas se salir, dit-il. Puis avec une maîtrise de professionnel, il a démembré le corps et il l'a découpé. Pour finir, il a placé les morceaux dans des sacs poubelles qu'il a déposés dans des cartons. Il a procédé de la même manière avec Christelle. À ce moment-là, explique Béranger Browns, une seule chose comptait, faire disparaître toutes les traces de mon crime. Il dit qu'il agit comme un automate. Il dit qu'il agit techniquement, mais il sait que moralement, c'est insoutenable. Voilà, c'est ce qu'il dira. Au petit matin, avant de quitter les lieux, Béranger Browns nettoie son plan de travail avec un produit dégraissant professionnel. Et il passe le siphon à l'eau de Javel. Ensuite, il met la moitié des cartons dans son 4x4 et le reste dans sa chambre froide. En chemin, il jette les morceaux de corps dans des poubelles, au hasard, ainsi que le téléphone portable de Christelle. 3 jours plus tard, dans la nuit du mercredi au jeudi, il retourne au marché avec du ciment à prise rapide. Il craint que les têtes ne soient découvertes, alors il les place dans des seaux alimentaires et les coule dans le ciment. Et il s'en débarrasse dans les poubelles du marché. Son récit macabre dure ainsi plus de 3 heures. Dans ses explications, Browns est technique, froid, quasi professionnel. La fin de l'interrogatoire est assez désarmante. Vous, pour point, il me demande, et alors, vous, vos heures de récupération, comment ça marche? C'était en complet décalage avec ce qu'il venait de me dire. On le sentait soulagé, enfin, il avait expliqué les choses et voilà, pour lui, voilà, on pensait peut-être à autre chose. Madame Leroy, comment est-ce que vous avez appris la mort de Christelle et Lucas? Ben, ça s'est passé au mois de juin. J'ai eu le capitaine Copetti qui m'a appelé. Il m'a dit, Madame Leroy, il me dit, j'ai besoin de vous voir. Et avec le papa de Lucas. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous venez, il me dit, à 10h, le lendemain, le jeudi. J'ai dit, mais dites-moi-le, j'ai dit, dites-moi que ma fille est décédée, elle est morte. Il me dit, on verra tout ça, il dit, demain au bureau. Et bon, on s'est rendu au bureau le lendemain. Bon, il nous a fait asseoir. Et là, ben voilà, il nous a dit que Christelle et Lucas, lors d'aujourd'hui, étaient décédés. Alors je dis, mais dites-moi comment? Et je dis, par qui? Il me dit, ben par Béranger, dit par M. Brown, s'il a avoué. Et je lui ai demandé, on lui a demandé comment. Bon, il n'est pas rentré dans les détails. Mmh. Il nous a dit que Christelle avait pris des coups. Voilà. On s'est regardé. Puis j'ai regardé Gilles, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Gilles, c'est le papa, hein, de Lucas. Le papa, oui. Et on n'en a pas su plus. Et vous êtes parti du commissariat? On a pris le métro. Et puis, c'est plein de choses. Vous avez plein de choses dans la tête. Comment est-ce que vous apprenez les circonstances exactes de la mort de Christelle et Lucas? Ben, le lendemain, il y a le papa de Lucas qui m'appelle. Il me dit, Liliane, il me dit, va acheter le Parisien. Il y a tout. Et tout est déballé dans le Parisien. Et ça fait un choc. Le fait qu'ils aient été découpés en morceaux. On leur avait mis la tête dans un seau avec du ciment.
Et j'ai appelé le capitaine Copetti. Je lui ai dit, vous auriez dû me le dire, vous, que je l'apprenne par les médias. J'ai dit, ça fait mal. Il me dit, oui, mais on ne pouvait pas vous en rajouter. J'ai dit, oui, mais je suis une maman. Et j'avais besoin de savoir, pas par les médias. Un boucher parisien interpellé pour un double meurtre dans le 10e arrondissement de Paris. Il est accusé d'avoir tué sa maîtresse, âgée de 26 ans, ainsi que le fils de cette dernière, âgé de 5 ans. Au lendemain des aveux de Béranger Bruns, les policiers convoquent sa femme au quai des Orfèvres. C'est quand on me l'a appris que tout s'est effondré. On m'a dit qu'il les avait étranglés et qu'il les avait découpés et qu'il les avait fait disparaître. Ouais. J'arrivais pas à imaginer qu'on ait pu faire une chose pareille. Parce que moi, c'est pas l'homme que je connais qui a fait ça. Il devait être dans un état tellement... Il devait pas être lui. Je lui ai juste demandé, mais comment t'as pu en arriver là? Il m'a dit, j'en sais rien. Comment tu as pu, Béranger? Comment tu as pu? J'ai dit, est-ce que tu as mesuré ce que ça allait enchaîner, ce que ça allait engendrer tout ça? Il m'a dit non, j'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé. Bertrand Faisan, vous êtes expert psychologue et à ce titre, vous avez expertisé Béranger Bruns. Les psychiatres disent qu'il n'a aucune pathologie, aucune névrose, bref, qu'il est normal. En quoi le psychologue peut-il nous éclairer sur sa personnalité? C'est quelqu'un que le dicton populaire nomme une personnalité sous-polaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se met jamais en colère, qui est très agréable, qui est très convivial, quelqu'un qui est très apprécié dans les relations. Et puis, par moments, il se met d'un seul coup en colère, il fait une crise, parfois même de violence, sur des petites choses de rien du tout, où personne ne comprend rien. Parce que c'est l'accumulation des choses, puis à un moment donné, ça éclate, ça explose. C'est pour ça qu'on dit sous-polaire, hein, des personnalités un peu explosives, mais sur des petites choses de rien du tout, alors que les choses importantes, là, il ne bouge pas. Plus il est concerné, plus il est touché par quelque chose, plus ces mécanismes de défense vont faire qu'on ne le verra pas, qu'il va être complètement tranquille, sans réaction. Cette façon qu'il a de ne rien vouloir savoir de tout ce qui peut le toucher affectivement. Est-ce que Béranger Bruns vous a raconté, à vous, le psychologue, ce qui s'est vraiment passé le jour du drame? Le passage à l'acte qu'il décrit, il le met dans un contexte de dispute d'amoureux. C'est-à-dire qu'il arrivait en retard au travail, et puis lui a signifié à sa façon qu'il n'était pas d'accord avec ce retard, et elle a commencé à lui dire « Mais pour qui tu te prends? T'es mon patron, t'es mon amant, c'est quelque chose qui n'a pas été. » Ils ont remis, ça c'était au travail, ils ont remis cette querelle à plus tard, et ils ont repris cette querelle après le marché, chez eux. Et là, il s'est passé une chose, je pense, qui a été le déclenchement de la violence de monsieur Bruns, qui n'explique pas la violence extrême, mais qui est le déclencheur, qui est cette dispute a été suffisamment importante pour que, pour la première fois, sa maîtresse lui donne une gifle. Il a reçu une gifle. Il a reçu une gifle. Et vous pensez que c'est ça qui le fait basculer? Alors ça le fait basculer parce qu'il ne peut plus mettre en place ses mécanismes de défense habituels. Il ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il ne peut plus installer cette banalisation. Il ne peut plus fuir le conflit. Il est obligé de... C'est incontournable, cette fois. Il faut faire face. Voilà. Et puis, en plus, c'est une effraction dans le réel qu'elle a fait par cette gifle. Et lui, il répond, alors, de la même façon, hors de lui. C'est son mot, mais je crois que c'est presque au sens propre. Ça le met hors de lui, ça le sort de ses mécanismes habituels. Et là, il devient violent, il va jusqu'au bout, comme il dit, c'est-à-dire qu'il étrangle cette femme. Dominique Rizet, les policiers, évidemment, ne peuvent pas se contenter des aveux de Béranger Bruns. Ils doivent être certains qu'il les a bien tués et qu'il les a bien tués comme il l'a dit. Et pour ça, ils ont besoin de preuves matérielles pour boucler leur dossier. Comment est-ce qu'ils vont procéder? Eh bien, c'est vrai qu'on a déjà vu des personnes s'accuser de meurtre qu'elles n'avaient pas commis. Donc, c'est vrai que c'est important, à partir des aveux, d'essayer d'établir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on va aller vérifier, les policiers vont aller vérifier sur place, perquisitionner le laboratoire de Bruns dans lequel il dit avoir découpé les corps. Donc le laboratoire, c'est le lieu où il fait ses préparations de traiteur italien. Voilà. Hein. Donc là, on va retrouver le fameux couteau d'écarissage qu'il dit avoir utilisé pour découper les corps. Alors, il explique que le couteau, celui dont il s'est servi, il l'a balancé et qu'il en a acheté un autre. On trouve effectivement un couteau neuf, propre, avec la facture d'achat. On retrouve sur les rayons
un bidon de détergent. Il dit, j'ai utilisé du détergent, j'ai tout nettoyé. Donc, on a le détergent. On retrouve aussi des pots de crème fraîche, de la crème industrielle, des grands pots. Il dit, souvenez-vous, j'ai déposé les têtes dans des pots et je les ai fait disparaître après y avoir mis du ciment. On retrouve la facture d'achat de ciment, du ciment prompt, dans un magasin Castorama à Paris. On ne retrouve pas de sang dans l'évier, pas dans le siphon de l'évier, ni sur les murs, ni sur le sol, ni dans la chambre froide où il avait entreposé les morceaux de corps dans des cartons, dans des sacs en plastique, dans des cartons. Et en fait, il a utilisé un produit, un détergent très puissant. Et quand les enquêteurs utilisent le Blue Star dans le laboratoire, ce système de pulvérisation qui permet de révéler les traces de sang, même nettoyées, eh bien, ça ne donne rien. On ne trouve aucune trace de sang. Alors, ce que vont faire les enquêteurs, c'est demander à un labo de police de vérifier si le détergent qu'a utilisé Brands efface les traces de sang au point que même le Blue Star ne les révèle plus. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le détergent était hyper puissant. Puis enfin, on va voir dans les usines d'incinération où sont transportées les poubelles de la région parisienne, mais on est 4 mois après et on ne retrouvera jamais rien. Alors, crime passionnel ou crime d'un monstre ? C'est à la cour d'assises de Paris de trancher en février 2007. L'accusé Brouns risque la réclusion criminelle à perpétuité. Vendredi 23 février 2007. Ça fait 2 ans que la famille Leroy n'a pas revu Béranger Brouns. C'était très dur de l'avoir en face de nous. Très très dur. En sachant que... Mais qui nous regardait avec son petit sourire en coin, son petit sourire moqueur, nargueur. Béranger Brouns doit rapidement répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi a-t-il basculé dans l'horreur ? Ce qu'il décrit, c'est une accumulation de choses. De fait qu'elle soit très comme ça, un jour oui, un jour non. Pour lui, peut-être qu'il ne savait plus sur quel pied danser. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'il est passé à l'acte ce jour-là ? Il y a eu les insultes, il y a eu tout ça. Donc, je ne sais pas, quand vous encaissez, il arrive un moment où vous explosez. Il a été poussé à bout. Une maîtresse capricieuse, des insultes, des disputes. Les arguments de Brouns ne pèsent pas lourd face à la barbarie de ses crimes. Encore moins quand il explique que ce qui a tout déclenché, c'est une simple gifle. C'est l'histoire de la gifle. Lui, ce qu'il a dit, c'est « je suis un homme, on ne me gifle pas ». Voilà ce qu'il a dit. C'est une histoire de fierté, de dignité. Mais dans ce cas, pourquoi avoir tué aussi Lucas ? Le père de l'enfant s'avance à la barre et exige des explications. Gilles, il a regardé à un moment l'accusé en lui disant « Mais pourquoi Lucas ? Qu'est-ce qu'il t'avait fait, Lucas ?» Et il lui dit « Il était là au mauvais moment. » Ce qui fait dire à l'avocat des Leroy que le crime passionnel ne tient pas. Si au départ, il y a une première réaction un peu passionnelle, le côté passionnel cesse au moment où Béranger Brouns étrangle sa maîtresse et accompagne le corps dans sa chute. Là, il y a un moment qui est inévitablement un moment de réflexion. En outre, lorsqu'il s'en prend au petit bonhomme, à Lucas, il n'y a plus rien de passionnel, c'est inexplicable. Lundi 28 février, deuxième jour du procès. Le président de la cour d'assises veut en savoir plus sur le déroulement du meurtre. Béranger Brouns semblait attendre cette question. À la barre, c'est le boucher qui prend la parole. Sûr de lui, il impose à tous le récit détaillé de ses gestes les plus sordides. Le président a pris un air ahuri parce qu'il voit que l'accusé commence à raconter par le détail le nombre de morceaux, la façon dont il s'y est pris, à l'articulation, etc. Et il va le stopper, enfin il va tenter de le stopper en lui disant, sous forme de question, mais vous n'allez quand même pas nous raconter en combien de morceaux vous l'avez découpé. Il a oublié aucun détail, jusque dire qu'avant d'aller les découper, il n'a pas oublié de mettre son tablier, parce que sinon ça allait trop saigner, donc il ne voulait pas être taché.
Je sais que moi, j'ai pris sur moi. Ma mère, elle n'a pas pris sur elle. Ma mère, elle est tombée 2 fois dans les pommes. Béranger Bruns, lui, reste froid, distant. À aucun moment, il ne craque. Il a détruit la vie de beaucoup de gens et on dirait qu'il s'en fout. Le mec, il nous a sorti qu'il avait des projets pour quand il va sortir de prison. Il va aller en Amérique, monter une boutique. C'est quand même hallucinant. Maître Jean-Marc Fédida, vous êtes donc l'avocat de Béranger Bruns. Évidemment, il ne vous facilite pas beaucoup la tâche, hein, votre client, pendant le procès, parce qu'il rentre dans les détails les plus sordides de ce qui s'est passé. Ce n'est pas une attitude qui sert la défense. La logique de Béranger Bruns n'est pas une logique de défense. C'est une logique qui consiste à dire, voilà, je dois aux parties civiles, je dois aux victimes, la vérité afin, et ça il l'a compris assez vite, qu'elle puisse accomplir totalement et complètement et rapidement, dans un délai qui judiciairement est relativement rapide, un travail de deuil qui leur permette de se remettre. C'est leur, sa façon de leur permettre de se réparer. Est-il allé jusqu'à leur demander pardon ? Demander pardon, c'est un acte qui symboliquement est fort à la cour d'assises, mais qui signifie pas grand-chose, parce que ça ne répare rien. Donc il l'a pas fait. Béranger Bruns n'a pas à demander pardon, puisqu'il est jugé, et qu'il va à l'avance accepter le jugement qu'on va porter sur lui, jugement qui est incomparablement plus clément que celui qu'il porte pour lui-même. À quelques pas d'Elleroy, la famille Bruns est sous le choc. Elle aussi vient d'apprendre de la propre bouche de Béranger toute la cruauté de ce qu'il a fait. Une de ses filles s'effondre. Lors de la première pause, quand je suis sorti, elle était là, assise par terre, sanglotante. Je l'ai récupérée dans un état en pleurs. Je ne pouvais même pas l'approcher, je ne pouvais pas la toucher. Et à un moment, elle a dit « mais c'est pas mon père ». Et plus tard, la femme de Béranger Bruns répète « Mon mari n'était pas lui-même ». Comme j'ai dit au tribunal, j'ai dit « L'homme qui a fait cet acte-là, qui a fait tout ce qui a suivi, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi je connais celui qui est le père de mes enfants, qui est mon mari, qui est le patron de ses entreprises. Voilà, moi ce qu'il a fait là, cette personne-là, je ne la connais pas. » Elle est toujours amoureuse. Elle refuse de voir le monstre qu'on lui décrit. Elle ne lâche pas son mari. Tous les soirs, avant qu'il reparte avec les gendarmes, j'avais le droit d'aller le toucher et l'embrasser. Et je disais, allez, on est là, on te soutient. Je suis un rocher sur lequel tu peux t'accrocher. Maître Fédida, comment défendre cet homme qui a quand même commis des choses absolument horribles, découpé des corps, le corps d'un enfant? Quels peuvent être les mots de la défense? Il est important d'expliquer qu'il y a tous en nous, quelque part, peut-être un Béranger Bruns qui sommeille, c'est-à-dire une personne normale, socialisée, qui travaille, qui élève ses enfants, qui est courageux dans son existence, et puis qui un jour va se retrouver face à une situation que l'émotion ne pourra pas permettre d'endiguer, que l'émotion va surmonter l'ensemble des obstacles qui empêchent généralement que l'on passe à l'acte. Ça ne l'excuse pas. Heureusement, ça ne l'excuse pas. Mais ça l'explique. Béranger Bruns n'est pas un être dangereux. C'est quelqu'un qui, à un moment donné de son existence, s'est trouvé dans une spirale criminelle. Mardi 27 février 2007. C'est l'heure du réquisitoire. Pour l'avocat général, ça n'est pas un crime passionnel. C'est un crime de contrariété. Il demande la réclusion à perpétuité. Après 2h30 de délibéré, les jurés condamnent Béranger Bruns à 30 ans de réclusion sans peine de sûreté. Bruns ne réagit pas. Je crois que si j'avais pas été assis, je tombais. Moi, j'entendais ça résonner 30 en permanence dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible, 30 ans, c'est...
Il fallait qu'il soit puni de toute façon. On ne pouvait pas, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser passer. Mais une peine aussi lourde, non. Madame Leroy, Bérangère Brown s'est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté. Comment est-ce que vous réagissez à ce verdict? Bah sur le coup, on était tout contents. On dit, tiens, il a pris 30 ans, et puis après, bah, on a dit non, il ne les fera pas, les 30 ans. Parce qu'il n'y a pas la peine de sûreté? Non. Là, dans 12 ans, il est sorti. Et il va refaire sa vie. Et vous n'avez pas le corps de Christelle, non. Ni celui de Lucas? Non, on ne les aura jamais. Ce qui, évidemment, était... C'est atroce. Atroce. C'est atroce parce qu'on vit avec ça tous les jours. Sans tombe. Si, j'ai celle de mon époux qui est décédé il y a 6 ans. On a fait une plaque. Il y a les deux photos de Christelle à Lucas. Et dessus, il y a un petit mot et on va se recueillir dessus. Là, symboliquement, c'est là. C'est là, pour nous, voilà. Avec voilà. Le grand-père de Lucas. Le grand-père, voilà. Il n'y en a que ça pour se recueillir. Bérangère Brown n'a pas fait appel de sa condamnation. En prison, il reçoit régulièrement les visites de sa femme, qui reste ce rocher sur lequel il peut s'accrocher.